J'ai pris ça, j'ai vendangé ça avant le mur cette année. Parce que on a dit c'est prêt, je comprends rien. Cette année c'était vraiment, vraiment folie. C'est pour ça que tu retrouves le cabernet du côté Prudhon. Hein, Prudhon oui. Mais c'est vraiment un cabernet qui n'a pas les mauvais côtés du cabernet. On ne sent pas le côté herbacé, géranium. Là, on sent du Prudhon, on dirait que c'est un cabernet qui a déjà un an ou deux. C'est fabuleux. Vinifié et avec le final épicé, c'est sûr. Mais c'est le cabernet, c'est le côté typique du terroir du vignoble. Moi je suis content. Ah, c'est tout bien ça. Je crois que ça va être le bon moment. Alors, voilà la réponse pour l'ancien épisode, en fait, c'était notre Cabernet 2009. Un peu trompeur parce que ce côté épicé, c'est vrai, ça. J'ai trompé le. Mais non, mais c'est ce qu'on. C'était à la dégustation, je l'avais aussi. C'est le Cabernet du domaine. D'ici, voilà. Ici, on peut faire des Cabernets un peu plus épicés, on peut faire une Syrah un peu plus costaud. Ça n'a pas du tout le mauvais côté du Cabernet, ce côté végétal. Quand il est vinifié, quand il est vendangé un peu trop tôt, il a un côté végétal, les gens le reconnaissent. Alors que là, on dirait déjà que c'est un cabernet qui, ce côté pruneau à l'armagnac, c'est. Je crois. On est. C'est extraordinaire. Je suis très content. Et je suis pas bon pour les dégustations à cette période, quand c'est jeune comme ça. C'est difficile, c'est complètement différent. J'apprends tous les jours, j'écoute. C'est quel degré il fait? Non, ça... Je n'ai pas dit ça en caméra. J'ai pris ça un peu à l'avance de Merlot cette année. Normalement, j'ai jamais un caméra qui est 13,5. Celui-là, c'est 14,5. C'est pas fabuleux ça. Très bien. Bon. Allez, merci pour avoir joué. À la prochaine.